maîtrise le Krav Maga, différentes techniques de self-défense. Si, si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. Attendez un instant. Abîmez pas le mur. Ta gueule, va te faire exploser en Syrie, ferme ta gueule. Non, vous deux, fermez vos gueules en fait. T'es sérieux, la vie de ma mère? Hey, là, tu m'assimiles pas en terroriste, sale bâtard, va. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il y a un petit souci. Là, hein? Comment ça? Vous avez tué 3 bikes. Mais comment? Si, votre tête est mise à prix, 50 000 dollars. Quoi? Non. Putain, non. On espère revenir à Charleroi l'année prochaine. Ciao, bonne soirée. T'es sérieux? Richard, Staff ou Fax, mais t'es sérieux là? Mais mec, gros, attends, t'es sérieux là? Bah quoi? Mec, droit, attends, tu fais ton show, t'as à l'auto, gros. Mais va te suicider, frère. Mais t'es con ou quoi? C'est une arme. Mais on a le droit de l'utiliser là, l'arme, on a le droit. Mais va te suicider, gros. Hey, c'est bon, je la prends pas, c'est bon, je reste au spawn, je me tue, c'est bon. Pourquoi on n'a pas le droit, c'est raison. Ça passe. Une grosse merde. Y'a un jeu. Y'a un jeu, putain de tasse. Putain de tasse de sale chienne de merde. Putain, c'est pas mérité ça. T'as pas dormi? Pourquoi? Si, mais si, j'ai dormi, regarde, là je suis en pleine forme. Ou pas là? Vas-y, je crie. Allez les gars là. Non. Allez, salut. Mais papa, putain! Mais en fait, pas, je suis très sérieux dans le domaine, hein. Je maîtrise le Krav Maga, différentes techniques de self-défense. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. Attendez un instant. Abîmez pas le mur. Oh, excusez-moi, désolé, j'ai pas contrôlé. C'est la reverse. En café de Nikov. Ah putain, Jeanne, il va falloir le réanimer là. Attendez un instant. Votre collègue là, il va pas très bien. Ah, il va bien. Frère, viens. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est handicapé, il va pas bien, c'est ça? Ah oui, il prend pour un con en plus, Donald. Hein. Tout le monde me fera pour un con. Par contre, pareil comme ça, mon frère, on va frapper. Ah, bon. Il faut qu'il enlève le hérisson de sa gorge. Visiblement, il a pris cher en gorge profonde la semaine dernière. Eh, puis va, frère, enculé. Bon, c'est bon, je suis calme, c'est bon, monsieur. Allez, fais du Krav Maga, Donald, il va te niquer, viens. Je m'en fous, le Krav Maga, moi. Ouais, faut Krav ta mère. C'est bon, vas-y, rentre. Allez, rentre dans le véhicule, c'est bon toutou, tout. Salut, bonne soirée. Ah, par contre, là. Le vieille fille. Bonsoir, monsieur. Merci, c'est pour parking central, s'il vous plaît. Wesh là, vous êtes sérieux de descendre de ma voiture, monsieur là? C'est-à-dire que j'ai failli me faire agresser par deux noirs juste derrière moi? Je m'en fous là, vous descendez de ma voiture là! Descends de ma voiture là, tu fais quoi là? Descends ta grand-mère! Oh, rentre dedans, mets-lui des claques dedans! Par contre là, vous rentrez pas dans ma voiture là, poussez-vous là, monsieur! Ah, là, ok, allez, ça dégage! Allez, fermez vos gueules! Excuse-moi, vous là! Eh, attends, là, tu parles pas comme ça au geek là! Qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde, descends, je te mets des grosses. Tu me dis claques, sale chien! Oh, je vais sortir ta voiture, mais pas toi, je ferai pas. Vous êtes deux, je suis tout seul, vous n'avez pas honte de prendre. Vas-y, sors de ma voiture. Vas-y, sors là. Pousse là, je te pousse là. Monsieur le chauffeur, mec, qu'est-ce que tu fais avec ma bagnole là? Calme-toi là, tu vas pas lui faire mal là. Calme, explique-moi là, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je vais vous expliquer, monsieur. Vous avez vu cette personne là? Il y avait deux petits noirs sur la route qui voulaient m'agresser, voulaient me raqueter mon argent. C'est pour ça que je suis rentré. Ils voulaient pas m'agresser. Ils m'ont insulté. Pour me défendre, je suis rentré parce que j'avais peur. Je suis rentré dans votre véhicule pour me protéger. C'est pour ça. Espèce d'enculé. Des prostituées, des prostituées. Mais pas dans le sens gag inside. Pas du tout dans ce sens-là. Ce que je m'amuse à faire avec elle, c'est que je ramène mes consoles rétro et je fais des parties de jeux vidéo. Ah ouais, d'accord.
Et tu les payes combien pour faire ça? Un Suisse que je leur fais, vu que dans la manette il y a des joysticks, c'est vibrant, je m'amuse à les faire entrer dans leur knick. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, ok. La semaine dernière, j'ai réussi à caler une manette de Nintendo, une manette de Mega Saturn, de Saturn, une de Dreamcast, et je peux vous dire que la Dreamcast en plus c'est pointu hein, sur les bouts. Hein. Tain, je l'ai fait crier là. Ah putain. Les trois en même temps? Oui, j'ai tout fait rentrer. Là, je vais tenter un world record. Là. Si j'ai l'argent, je ferai ça la semaine prochaine. Et je vais faire, je vais rentrer la manette de la GameCube, plus la GameCube à l'intérieur. Oh putain! Ça va rentrer! Et c'est plus une snake là, c'est une boîte! Oui! Vous voulez connaître les tarifs, je présume? Oui, oui, c'est pour savoir un petit peu un ordre d'idée. Alors! Pour savoir si c'est dans mes cordes! Alors, ce modèle là qui est actuellement en exposition, elle est à 550 000, celle qui est devant vous, la dorée. Comment? 550 000, oui. Attendez, j'espère qu'il y a... Attendez, j'espère que le levier de vitesse avec ce prix là, je peux me l'enfourner dans le HUC parce que là, j'ai l'impression qu'on soule ma gueule sur les prix, non? Vous êtes sérieux? Allez, elle est ouverte, monsieur, vous pouvez vérifier. D'accord, merci. Attendez, je vais mettre... Attendez, oh, moi, j'ai entendu Denis. Une voix. Oui, plaît-il, Thomas Dovi, tu m'en connais pas? Thomas, attendez, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est Tommy, c'est Thomas, mon fils, mais attendez. Oh, papa. On s'est pas te retrouver comme ça dans cette ville. J'ai une photo de toi il y a quelques années, t'as grandi. Oh là, je viens de sortir. Je viens d'arriver, je suis arrivé hier là. Comment ça se fait que tu es dans cette ville? Comment se fait-il? Il y a maman m'a dit que t'es par le Santos, donc je suis venu quoi. Si je puis me permettre, t'as une sacrée face de cul, hein, tu ressembles beaucoup à ta mère. C'est là où tu vas pas, je peux te faire un câlin tout le temps ça. Vas-y mon fiston. Merci. Je le sens vraiment ta troisième jambe, doucement. Je vois que c'est une émotion aussi. Oh putain, c'est beau. Bon, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, on fait quoi? Mais non, mais continue ton show, putain! Ça commençait bien! Là, elle reste professionnelle, tu vois. Elle se démonte pas, regardez. Et là, elle se fait non, ça. Je suis désolée, mais j'ai un problème dans les oreillettes. Regardez, il arrive déterminé, il se dit, il faut pas se démonter. Il y a eu un fait juste avant. On se démonte pour en affronter le public en facial. C'est parti. Follow me, follow me. Magic Destination. Le petit move. Follow me, Magic Destination. On espère revenir à Charleroi l'année prochaine. Ciao, bonne soirée. T'es sérieux? Oula, Richard, Star Fufax, mais t'es sérieux là? Je savais bien que... Mais c'est un malade, c'est un grand malade. Vas-y, je vais me faire mal ma chaîne. Vas-y, hop. Amène-le dans le bureau, je l'ai déjà mis au sol, là. Amène-le dans le bureau. Bon, alors, rentrez dans le bureau. Fiston, c'est bon, il demande de sortir. Écoute-les, sois complaisant, s'il te plaît, Fiston. Mais qu'est-ce qu'il fait? Va dans le bureau, je t'ai dit. Monsieur, s'il vous plaît, c'est bon. On peut s'expliquer. Ah, bah d'accord, bah c'est bon, allez, on se casse. Tu sors de ta voiture, sinon je te tue. On y va. Allez. Allez. Il pense être bon, hein, les gars. Bah, c'est un bon de tout. C'est quoi, j'ai envie d'en rentrer dedans, les gars. Je m'en bats les couilles. Quitte à... Mets-toi là, bien calé ici sur le climatisateur. Arrête de bouger, putain! Regarde-moi. Quand tu veux, Pierre. Hein. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire pour ta défense. J'ai rien à dire. Je voudrais m'en aller maintenant. C'est bon. C'est bon, c'est quoi, tu m'écrases, ton pâtis m'écrase. Je t'ai jamais écrasé. Tu connais l'autre blaireau là? C'est qui nous écrase là? Je le connais pas. C'est ton fils, t'as dit que c'était ton fils. C'est mon fils, mais je sais pas qui l'a fait, j'ai pas vu. C'est bon. C'est ton fils. C'est bon. C'était ton fils. Il a complètement craqué, quand je vous dis, il sort du 15 ans de prison. Ça lui arrive d'être un petit peu jetonné et de commettre des dérapages. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai rien à voir avec cette histoire. Putain, je suis en train de prendre sur moi, c'est ouf. En temps normal, je les termine, putain. Je les fume. La seule personne à qui vous avez eu à faire face, c'est mon fils. Dommage, c'est de marche arrière. Malheureusement, il vous a fauché. Je suis désolé pour ça, mais j'y suis pour rien. Dommage son numéro. Attends, il y en a un qui vient pas de numéro. Ça ira loin, cette histoire, hein. Ah ouais, ça va aller loin. Non, ça n'ira pas loin, c'est bon, c'est compris. Tu me menaces maintenant? Non. Bah si, c'est ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue C'est pas dit menace. Tu comprends? Bon, Pierre, quand tu veux pour les terminer, ça. Tu nous casses les couilles, là. Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, j'ai bien compris. Monsieur, s'il vous plaît, je vous explique une bonne fois pour toutes, il vient d'arriver dans cette ville. J'ai le point de lui acheter un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, gamin? On lui prend sa puce, on regarde. Ça bat les couilles. C'est qui, lui? C'est qui, là? Mais il est...
Ah, ah papa, monte oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Monte pas. Il vient de nous écraser, le mec, Il vient de nous écraser. Putain, merci fils, on y va. Putain, Oscar, c'est quoi, c'est malade ici, là, Oscar. Il vient nous percuter. Allez, on se casse, roule, fiston. Oh, je suis fier de toi. On y va, on se casse. Putain, mais comment ils ont... Mais attendez. Oh, putain. Allez, let's go. On se casse. Merci, fiston. Je sais pas, ils ont failli abuser de moi. Merci beaucoup. Oh, putain, mais la prochaine fois, abstiens-toi de faire ce genre de choses. J'ai failli passer, j'ai failli rester. La vérité, ils sont genouillés aussi, ces gens-là. La vérité, on s'en sort vivant, putain. C'est bon, ça. Par contre, on va être cherchés, hein. On va se cacher. Je vais te dire, maintenant, on est liés. On est pieds et poings liés, toi et moi. Il y a un petit souci. Là, hein, comment ça? Vous avez tué 3 bikers. Mais comment? C'est... Votre fils, en marche arrière, il a tué 3 bikers. Votre tête est mise à prix, 50 000 $. Quoi? Mais j'ai rien tué du tout, je suis pas responsable. Ah bon. Écoutez, si vous voulez rester en vie, il y a un truc à faire. On va le coiffeur. Dites-moi. Vous allez vous faire une petite coupe de cheveux, acheter des lunettes, un petit chapeau et vous passez incognito, vous faites calme, très discret pendant un petit moment. C'est qui le patron? Ce sera moi. Le padré! Ce sera moi! Je suis diabolique! Ce pouvoir! Cette puissance! C'est moi! Je vois-t-il vivre désormais?